Et bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien sur Pokéland Legend Monster Legendary Spirit Monster Monster Mist, hein, un truc comme ça, et beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est le jeu a changé beaucoup, 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 beaucoup de fois de non, c'est un truc de fou. Donc j'espère que ça va bien chez vous, hein. Pour prendre quelques petites vidéos, hein, tutoriel, etc. Donc voilà, hein, vu qu'on me l'a demandé. Et ce qui est génial, c'est que je n'ai plus le bordel du son. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai été là il y a 2 secondes. Et là, il n'y est plus. Ah, c'est génial. C'est génial. Voilà, on s'en fout. Ouais, c'est bizarre. Je n'ai plus l'icône du jeu. Hein, de l'application. Hein, c'est exact. C'est exact. Ah bah du coup, on va le relancer. Parce que si je fais ça, non, connecting, mais non, pas plus, pas moins. Hein, l'émulateur me dit merde. Grosso modo, ça commence bien hein, pour une reprise. Hein, c'est exact, hein, c'est intéressant de me rappeler. Vous avez arrêté, redémarrer. Bah, je redémarre, bien sûr. Voilà, je m'étouffe, j'en perds mes paroles, j'en perds mon langage. Donc du coup, ça va être une petite vidéo, on va dire rappel. Voilà, de la fumée, hein, des fumigènes, beaucoup de choses. Lorsqu'on fume, on va pas avoir de fumée à l'écran, mais à la foutre, ouais. Donc, ouais. Donc, on va voir à peu près où j'en suis. On va voir à peu près combien de temps je n'ai pas joué au jeu. Hein. Voilà, hein, là, ça fonctionne très très bien. Hein, Monster Mist, hein, Tricmuche, hein, blablabla, ta gueule, toi, Mému. On va baisser un peu le son, on va le mettre à 3. 3. Ouais, 3. 3, ça va être pas mal. Hein, c'est sympa. Alors, hop là, YouTube. Voilà, hein. Donc mon chromatique hein, déconne un petit peu. Hein. Ce qui est normal. Voilà. Du coup. On va pouvoir remonter. Alors, ça va comme ça. Et on va comme ça. Voilà. Voilà. Impeccable. Hop, entrée. Enter. Ah, je sais même pas combien de temps je live. Hein. Ou du moins, j'enregistre. Voilà, 50 000 notifications, Google gestionnaire, ainsi de suite. Voilà, hein, pas mal de choses. Donc on va peut-être baisser un peu le son aussi. Hein. Voilà. Hein, on va essayer de vous péter les tympans. Donc il y a pas mal de nouveaux trucs. Facebook page et compagnie. Donc, je me suis... Ok, quatrième jour, hein, bien sûr. Hein, forcément. Oui, on pouvait voir ça. Donc là, on a comme d'hab le VIP. On peut récupérer. Ça, comment je l'enlève? Ouais, espèce de con. C'était une feinte de merde. C'était une mini feinte. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas eu le. Voilà, le petit bordel hein, qui me disait. Blablabla. Donc, voilà, moi je peux recevoir mes trucs journaliers. Hein, mais qu'on m'avait posé la question, quoi ça servait. C'est à vie. Et ces journaliers, vous pouvez récupérer 100 diamants. Si vous payez environ 9$ hein, au niveau. Des recharges, voilà. Blablabla, total up diamond, donc ça c'est pour récupérer des diamants. Ça c'est pour utiliser daily. Total consumé diamant, ok. Ça ne veut rien. VIP valeur, ça on peut le racheter. Level up, machin, truc, je prends en consume. En off consume, d'accord. On s'en fout. Du coup, hop, alors. Attendez, on va récupérer nos diamants, hein, bien sûr, les mails. Hein, et là vous allez. Vous devenir fou parce que regardez, et 200 diamants, un truc comme ça. Et là, je récupère tout. Voilà, ticket mystère, des machins, des trucs. Voilà, hein, j'ai 1947 diamants. Voilà, vous connectez pas pendant 3 semaines, c'est bon, vous avez ça. Hop, delete letter, fan group, Facebook, group, Pokémon Legend, force de la test news. Recevoir les news. Voilà, recevoir les news. Alors, on chasse. Alors là je vais prendre 1, 2, 3 et 4 hein, comme d'habitude. Hein. Toujours 4 de vitalité, je récupère mes mon fric, hop, hop, hop là, premier truc. Hein. Ok encore 100, sans bordel et allez, fait péter. Alors, tu sais quoi, qu'est-ce qu'il y a dans les packs? Dans les packs, il y a pas mal de merde, hein, de la bouffe, hein, machin, des cartes strike. Ça c'est ne les achetez pas, hein. Ça vaut pas le coup. Des pierres d'attributs, etc. Les slots là, c'est en haut de la fortune, bien sûr. Ouais. Alors, hop. Alors, je prends encore de quoi. Hop. Hop. Allez.
tac tac tac. Hop, ça c'est bon. Hop, je récupère mon ticket avancé. Hop, et je récupère mon deuxième ticket avancé. 7, 8, 9, il me faut encore 200 diamants. Je dois les avoir, je les ai. Hop, on va faire une petite roulette. Hein. Voilà, juste pour ce fun. Voilà, 100 diamants, voilà, très très bien. Hein. Nickel. À quoi? Qu'est-ce qu'on dit, hein? What? Ça marchait pas? Ça a pas marché. Pédé, à 10 diamants près. Eh ben, quand il vous manque 10 diamants, c'est très simple, vous allez voir. Dur, vous lui payez 10 diamants, et hop là. Vous les avez. Simplement, hein, le petit truc, 1000 diamants de bouffée. Voilà, non. Toi, tu restes là. Vaniki, hop, les quêtes, les machins, les trucs, les ci, les là. Ça, on a vu tout ça, on s'en fout. Maintenant, on va pouvoir passer à la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis le temps? Genre, je ne sais plus où je m'en étais arrêté. Moi, j'ai envoyé mes vidéos. Alors, du coup, de nouveau. On va faire un bref récapitulatif de ce que je me souviens. Des vidéos que je n'avais pas postées. Dans les brefs récapitulatifs, ou du moins dans les nouveaux trucs, maintenant on a les masteries. Masteries, c'est un nouveau mode que vous avez qui vous permet en fait de upgrader vos passifs, voilà, en payant des trucs. Hein. Genre là, ça m'en coûte 5. Plus 8000. Ah, voilà. Allez, il me reste encore, je ne sais combien. Hop, il m'en restait un. C'est bon. Donc voilà, c'est, ça vous donne de l'attaque. Après, là, ça vous donne du heal, du HP en plus. Et là, ça vous donne donc de la défense et SP défense. Donc, ceci pour l'avoir, vous allez dans Trial. Vous allez dans Battle Tower. Voilà. Et vous allez devoir gravir les échelons pour pouvoir en récupérer. Voilà. Voilà, on s'en fout, on s'en fout. Donc là, vous vous achetez vos buffs. Hein. Là, je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Vous pouvez ouvrir une petite boîte gratuitement. Voilà, vous gagnez des tickets. Hein. Ça, c'est un ticket normal. Déjà un bouffe, etc. 4 bordels. Impeccable. Donc ça c'est pour le premier truc, donc c'est ce qui remplace en fait, vous allez affronter des gens petit à petit pour pouvoir monter dans les échelons et pouvoir avoir du coup les des trucs de mastery. Tous les deux trucs, vous pouvez récupérer donc un passif hein, en payant avec des pièces de points, voilà, les pièces que vous avez là, de champion. Et le but du jeu c'est d'aller le plus haut possible. Du coup, après nous avons quoi de nouveau nous avions, hop. On va revenir ici, l'explorer biographie. L'explorer biographie, ça vous permet donc d'avoir encore un passif, il y a plein de passifs de nouveau hein, dans le jeu. Tout simplement donc en récupérant ou en trouvant des Pokémon. Donc ça vous upgrade cette barre là. Hein. Moi je suis à 93 000 hein, et ça me coûte 100, ça m'en donne 159, ou du moins ça m'en déduit 159. Dès que je vais vouloir le augmenter. Et les pierres que vous avez là, qui vous permet donc de recharger cette barre là. Tout simplement, vous l'avez dans le trial et vous allez dans l'explorer. L'explorer, c'est très simple. Vous pouvez récupérer des parchemins dès que vous les avez faits et vous pouvez les sélectionner. Ça vous prend 1h30 hein, par bordel. C'est par classe. Faites une suggestion de team, ça ira plus vite. Et donc du coup, c'est chaque truc est différent. Genre là, c'est fly type. Il ne faut que des trucs qui volent. Hein. Tout ça, c'est les flying. Donc du coup, je pourrais pas utiliser autre chose. Une fois que c'est fait, bah vous attendez l'heure, et une fois que c'est fini, bah vous récupérez donc ce qui vous a. Donc 11 pierres, 5 trucs de bouffe et 8000 de machin. Vous pouvez aussi faire une relance hein, de 10 diamants, au cas où si les astrules ne vous vont pas et sont classés par A. Alors ça va d'abord C, B, A et S. Voilà, au niveau de la classification. Après, nous avons quoi, le gem skill vous connaissez, les accessoires vous connaissez, les diamants vous connaissez, les guilds vous connaissez. Les friends, vous connaissez, hein, les friends. Alors du coup, cherche. Non, on s'en fout, application, on s'en fout. Hop, hop, on récupère ma vitalité. Et je récupère, je redonne la vitalité. Voilà. Les archivements sont augmentés maintenant, hein. Il y a beaucoup plus d'archivements. Hein. Au niveau du gym skill, ça y était pas au début. Après, vous avez quoi d'autre? Les missions, normal. Et ensuite vous avez le book qui permet donc de voir tous les vaisseaux que vous avez de A à Z hein. Voilà, vous avez l'inérite qui vous permet de transférer les passifs ou du moins les attributs de d'un Pokémon à un même Pokémon. Par exemple, vous avez un passif sur un Pokémon qui est niveau 1, vous voulez le transférer sur un Pokémon qui est niveau 99 ou un truc comme ça, bah ça vous coûte des pierres. Voilà, ça vous coûte ce genre de pierres ici que vous avez. Bon, faut d'abord que je sélectionne un truc, admettons. Alors, on sélectionne un autre hein, pour vous montrer. Là, je vais pouvoir. Voilà, ça vous coûte des pierres comme ça, par exemple. Il y a trois types de pierres hein, des vertes, des violettes et des marrons. Ou du moins des jaunes.
et là en fait vous transférez ensuite bah, en fonction de ce que vous voulez, le normal générique, le training ou le hidden. Le hidden, si j'ai pas de conneries, c'est le passif. Le normal, c'est je sais pas, ils vous le disent de toute façon ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire. Dans les réalités, expérience, relation, ship, voilà, friendship, la fusion d'un monstre à un autre. Pour le training, c'est le training, donc voilà, c'est tout ce que vous avez fait en training. Voilà. Et le hidden, donc c'est le hidden skill, skill protection. Hidden skill will be set. Donc c'est les skills en fait. Je pense que ça doit être les skills spéciaux que vous avez. Je l'ai pas testé encore, j'en ai pas du tout. Admettons, c'est ce truc là, je pense. C'est les passive skills, voilà, que vous transférez d'un Pokémon à un autre. T'as qu'à arrêter de fumer, connard! Alors, une fois que c'est fait, vous avez quoi de. Bon, ça c'est pour ceux qui achètent, le flash échange vous connaissez. Ouais, le Wofoon, franchement, si vous le faites pas, faites-le, hein, vous foutez VIP 4. Hein, VIP 4, c'est quoi? VIP Vintage. Alors, 1, 2. VIP 2, VIP 3, VIP 4. Ça. VIP 4, je sais plus combien c'est. Merde, c'est con. Mais grosso modo, quand vous foutez VIP 4, vous pouvez donc investir 1000 diamants. Et vous en récupérez 700%, ce qui est pas dégueulasse. Hein. Donc moi je vous le conseille, parce que c'est tous les niveaux, voilà, dès que vous arrivez au niveau 1, vous recevez 200 diamants, ainsi de suite, niveau 46, 100, niveau 50, dès que vous passez niveau 50, vous allez rentabiliser votre truc. De toute façon. Donc si vous êtes niveau 50, vous vous foutez là-dedans, vous pouvez rentabiliser votre truc en 2 secondes. Et donc vous êtes 1400, et ainsi de suite. Donc c'est pas dégueulasse, hein, franchement, je vous le conseille. Tac, 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 capsule toy, vous connaissez, monster, les chars, vous connaissez, hein. Voilà, vous connaissez à peu près tout. Voilà. Donc de temps en temps maintenant il y a les lui qui check. Voilà, hein, c'est on va dire il y a une bobate. Le but du jeu c'est d'avoir ça ou ça. Ou ça. Oh ça c'est très bien. Hein. Enfin, 3 ou 4, oui. Donc là j'en ai un gratuit. Voilà. L'event se termine dans 1 jour, 10 heures, 14 minutes. Et 36 secondes, voilà, on est au pif, hein. Boum, 500 diamants, pff, direct. Allez, ça c'est fait. Pas très foot, j'ai récupéré 500 diamants. C'est une vidéo full diamant en fait. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, qu'est-ce qu'on peut dire de moins? Bon, vous avez toujours les trucs, les safaris, etc. Voilà pour la vidéo. Voilà, moi je vais vous montrer ce que je vous conseille de faire, c'est de vous foutre ici, vous faites 10 raids, hein, 400 diamants, hein, vous en foutez. Vous gagnez 15 000 XP, mais par contre vous récupérez masse carte. Voilà. Là j'ai dû récupérer 80 ou 90 cartes de fusion. Voilà. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que j'ai comme équipe, hein, j'utilise ces trois là principalement. Voilà, j'ai un peu de près de tout, hein, j'ai un Mewtwo, alors ça je l'ai eu avec les caisses, enfin avec les capsules toy. Voilà, donc les blessures que j'ai, ils sont assez évolués, hein, là de tout. Hein. Et il y a de nouveaux Pokémon aussi qu'on peut récupérer, hein, dans les Explorers. Voilà. Pas les Explorers, les Monster Mist. Des trucs à faire évoluer, un taquet, hein, des légendes, des compagnies. Des Roucoules, il y a un nouveau Roucoule. Roucoule, c'est Roucarnage. Voilà, hein, évoluer, un Roucarnage, il faut faire. Hein? Ah non, je l'ai déjà sûr. Et mon Roucarnage. Ouais. Je fais un Roucoule. Il est où ce con? Il est là. C'est déjà un Roucarnage? Ah, j'ai déjà un Roucarnage. Voilà. Moi, j'ai un Pidgeot. Ouais, j'ai déjà. Ah non, c'est pour Friendship level 30 et 150 pierres de méga évolution. Ouais, ça se fait facile ça. Pour avoir ce truc là. Ouais. Ouais. Bon voilà, hein, donc l'équipe que j'ai assez, hein, je dois avoir 800 000 de puissance. C'est comme ça plus mon passif, hein, parce que je compte l'équipe plus le passif. Je suis plus trop évolué, hein, dessus. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Blablabla. Ok. On va faire vite fait le petit truc habituel. Hein. Alors moi, ce que je vous conseille une fois que vous avez fait ça, vous êtes dans les gears. Hop, et vous faites vos gears. Hop là, allez, level up à niveau 80. Et hop, ça c'est fait. Oh, putain, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Hop là. Donc du coup,
moi ça je peux le faire, bon, je pense que c'est les tombes de raid, je peux les faire indéfiniment. Maintenant ça me coûte des diamants, hein, pas mal de diamants, mais c'est infini. Si à l'étude vous avez un cooldown au niveau de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me remplir un écran en réalisation. Hop, reste là. Voilà, red time. Voilà, donc c'est une petite vidéo hein, de reprise, bien sûr. Donc je vais essayer de voir après par la suite si d'autres choses, hein, si vous avez des questions, savoir comment fonctionne qui, comment fonctionne quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Alors je vais vous montrer vite faire un dernier petit truc nouveau par la suite. Donc moi je économise les diamants, hein, bien sûr. Mais honnêtement, quand vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à donc, du coup, comment dire, à aller dans une guild si vous voulez vous faire des sous et à faire du rent. Go, allez. Dragon Slayer. Allez hop. Allez, ça y passe. Hop. Ah, lui il va mourir, on peut le skipper, hein, bien sûr. Et aussi au gym skill, vous pouvez skipper maintenant tous les trucs. Ça c'est intéressant. C'est vraiment pas mal hein, maintenant les gym skills. Pareil, si vous voulez voir mes médailles, en gym skill, je crois qu'elles sont quasiment toutes level 50, un truc comme ça. Ça. Donc, on va faire ball, comme ça on va tous les faire. Hop. Voilà. Truc habituel, on peut le porter un petit moment, ça tout seul. Vous ne streamez pas, vous n'avez plus la tête. Voilà pour les gears, bien sûr. Hop là. Hop, du water. Du water. Du fighting. Ça, c'est du dragon. Voilà. Bien sûr, quand vous voulez, niveau 8. Niveau 8. C'est n'importe quoi. Oh, niveau 8. Bah voilà. Farm all. Hein? Voilà. Voyons. Ah. Attends. Il est pas équipé pour ça. Du tout noir. Alors, 65 000. Bah voilà, niveau 9. Mieux. Ça c'est pour Arceus, hein, bien sûr. Voilà. Alors, ça c'est cool. La rate. Il est mort. Ouais, voilà. Et il y a de nouvelles médailles aussi. Hein. Alors, il y a de nouvelles médailles. Il y a deux ou trois nouvelles médailles que j'ai oubliées. Qui sont là. Une shield médaille et une temps médaille. Voilà. C'est à peu près les mêmes passifs. Hein, en fonction d'eux. Qui sont plus ou moins. Upgrader. C'est à dire qu'en gros bah, vous avez une médaille qui va vous donner de vie, une médaille qui va vous donner de la défense, une médaille qui va vous donner du dégât, une médaille qui va vous donner un passif comme quoi. Dès que vous l'activez vous allez brûler les Pokémon. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai vu là dedans? La merde, j'ai de la merde. Hop, ça, hop là. Task of Siltoy. C'est juste pour aller plus vite au niveau des Capsule Toy. Hop là, je vois une Kratos, hop là. Tiens, ça vous coûte 2000 et des mana, 400 et quelques. Voilà, 2488, si vous voulez prendre 10 et tenter votre chance pour avoir beaucoup de légendaires. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors. Qu'est-ce que je devais évoluer encore? Je crois que c'était un friendship, me semble. C'était lui là, je crois. Que je devais évoluer en friendship. Ouais, level 30 sur 38. Ah bah non, c'est juste le level up. Juste le level up, bah ça va se faire très vite. Upgrade. Voilà, ça va 22 000. Hop là, très bon niveau. Hop, hop. Alors, l'évolution de cette chose indique un... Non, c'est pas un fighting, c'est un dark. Voilà. Allez, ça c'est good. Sinon, on est au niveau de training. 6000, non, c'est pas le truc. 265, d'accord. 12, allez, niveau 25, niveau 16. Si je fais ça, ça me le prend d'un niveau. Niveau 17, ça me prend d'un niveau. Allez, 450 000 euros de truc. Augmente la puissance et tous les passifs, bien sûr.
peut aussi le faire avec les vaisseaux comme ça. Et du coup. Alors, le World Size n'a pas bougé. L'Endom Battle, ça n'a pas bougé. On peut toujours récupérer de la vitalité dessus. Bien sûr, comme ceci, un jour, on va vite faire, ceux qui ne connaissent pas. C'est dans. Et voilà. En milieu du classement et à 3 millions de puissance. Bien sûr. Le EXVS qui vous permet d'avoir des pièces de l'Explorer, donc je vais vous le montrer. Le Champion Legend, c'est à peu près comme l'autre, en fait. C'est un peu comme la Dungeon Battle, mais c'est aléatoire. Voilà, on drop des trucs, hein. Des rewards en fonction des dégâts, du moins de gens qu'on a défoncé l'affilée. Le Battle Tower, qui s'appelle le Champion Legend, c'est pour avoir les Masteries. Le Gym Challenge, voilà, Gym Challenge, qui permet tout simplement. Si je fais Red Ball, donc clean, hop, j'ai pas clean la truc. Alors, si vous n'avez pas clean toutes les pièces, vous pouvez pas faire comme ça en fait. Donc là, ça évite à chaque fois de se retaper le machin, blablabla. Tout le truc habituel de rentrer dedans, de les faire une par une, parce que moi je les ai faites une par une. Bien sûr, ça c'est bon. Hop, j'ai le master, c'est bon. Hop, ça. C'est bon. Epic God, hein, bien sûr, qui est le premier serveur. Alors, on récupère un peu de tout. Vous voyez, hein, j'ai récupéré deux méga bombes pour les Monster Mist en fait. Et du coup, hein, des fois, hein, ça vaut pas trop le coup de se taper des trucs de Monster Mist. Ça m'en fout. Bon, là, ça sert à rien que je lui défonce la gueule à lui, il va me défoncer. James Kill, bien sûr. 50-50-50-50. Eh bien, on a envoyé ça, d'accord. Dégage, ça s'en fout. Allez, upgrade. Alors, je peux pas plus. Je peux pas plus, je peux pas plus, je peux pas plus. Ok, ça c'est fait. J'en étais au gym challenge. Ensuite, le collecte cristal, comme d'habitude. Monster League, ça n'a pas changé. Le Monster Mist, hein, quand vous avez des gros tickets spéciaux et qu'il y a un certain temps, hein, ici, à le Snow ou Foggy, hein, 13h05. 13h09, 15h09, et ainsi de suite, hein, par exemple, on va dire entre 13h et 15h09. Pour le faire, c'est très simple, vous allez là, vous restez appuyé dessus, et vous voyez, current time. Il est 17h54. Voilà, à 17h54, on va dire 18h, qu'est-ce que nous avons sur les coups de 18h dans le Monster Mist. 18h57, Foggy. Donc, Foggy, qu'est-ce qu'on a? Capture Guide. Weather. Foggy, nous avons. Ça que j'ai déjà. Regis. Voilà, donc ça ne nous sert strictement à rien. Comme d'habitude, ça me coûte des tickets. Hein. Tout à fait normal. Le Safari, voilà, qui permet donc d'avoir des cartes de fusion ou des cartes d'évolution. Le World Boss, qui est pas mal. Le Monster Yacht, comme d'habitude, pour avoir des pièces de charme. Le Lair Hunt, qui vous permet donc du coup d'avoir les trucs de parchemin. Maintenant vous pouvez faire summon boss, ça vous en coûte un à chaque fois, un bordel, mais par contre si vous n'en avez plus vous pouvez quand même l'utiliser, alors faire attention. Voilà, mettons, si je le fais à la chaîne, hein, je peux en faire 10 à la chaîne, je vous montre à peu près, hein. Voilà, vous faites skipper, hein. Je peux me les taper à la chaîne, hein, c'est pas peur, je peux spammer comme un gros point, rien à foutre. Keep Kinning, voilà, ça c'est fait. Donc là, par exemple, hein, vous allez pouvoir en réactiver un, hein, et ainsi de suite, hein, tant que vous avez des tickets, hein. Bien sûr. Ça va tout seul. Bon, je prends pas le pain. Voilà. Ah, parce que je lui fais du 20 000 de dégâts dans la gueule. Par 20 000, je crois que le drapeau fait du 60 000 de dégâts. Juste horrible, cheaté. À peu près, hein. Voilà. Ah, après, bah, comme d'habitude, on va récupérer un truc. Nouvelle médaille. Nouvelle médaille. Allez, hop. Le Fated Enemy, qui vous permet donc de faire des combats avec des objectifs, etc. Donc voilà, les objectifs, hein, Monster Catching Race et le World Boss Battle. Et après, vous pouvez récupérer donc, les petits trucs qu'on vous offre, les petits giveaways. Et à la fin, nous avons le Guild War, la guerre de Guild. Je crois que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir. Le bag, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le bag. Si vous voulez vous emmerder à la personne, vous pouvez
le shop, ça vous décomptera toujours les sous. Si vous voulez pas vous emmerder au niveau des XP, c'est pareil, vous aurez tout XP. Ça vous amènera ça. Les coffres ont changé de gueule, bien sûr, au niveau design, esthétique. Ce qui est pas mauvais, hein, ce qui est pas dégueulasse, hein, c'est pas vraiment dégueulasse. Et après, voilà, on va arriver à un moment ce que vous essayez d'avoir. T'inquiète, ouais, j'ai une pierre verte, hein, pour refaire de l'inérite. Voilà, et là, il y a tous les items, hein, de A à Z, hein, bien sûr. Ce qui n'est pas négligeable, comme d'habitude. C'est pas faire des petites quêtes, hein, comme ça, comme hier, tout début, hein, bien sûr. Faites ça, hein. Voilà, là, c'est les skills, on s'en fout. Hop, t'as ta gueule. Hop là, voilà. Avec cristal, etc. Donc voilà pour Pokéland Legendary, Monster Legend, ou Spirit Monster, Monster Beast, j'ai même plus de quoi ça s'appelle, Fantasy Beast. Voilà, Fantasy Beast. Donc stop, vous évitez de niquer les tympans. Voilà, voilà pour la petite vidéo. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire. Allez sur page Facebook, allez sur page Twitter. Si vous voulez voir les lives, je fais quelques lives de temps en temps. Bon, là, c'est un peu plusieurs parce qu'on est plutôt plus qu'un seul PC, chéri. Donc, n'hésitez pas à les voir. Des questions, répondez, je les réponds sur Friend of Future. Pas sur Friend of Future, sur Facebook. Mais voilà, n'hésitez pas à venir sur Friend of Future. Ça s'écrit F-R-I-E-N-D-S. Of Future. Voilà, c'est un nouveau réseau social qui est basé sur l'événementiel, qui est 100% gratuit et en même temps qui sécurise vos données. Hein. C'est par rapport à Facebook, là ça sécurise complètement vos données, c'est-à-dire que les données ne sont pas revendues à tierces personnes. Il y a beaucoup de choses. Voilà, je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo, hein, pour la nouvelle vidéo. Et puis moi je vous dis une prochaine vidéo, un prochain live si vous voulez venir participer sur les lives, il n'y a aucun problème. Je vais vite fait finir mon truc ici, là, alors. Training, fusion, hop, get safari. Voilà. Et là nous allons récupérer pour 150, ça devrait être pas mal. Voilà, j'en ai récupéré 42. Ah non, j'en ai récupéré 42, voilà. J'en ai 80. Voilà. Pour ceci, cela, c'est... Allez, accessoirement, allez, vas-y, vas-y. Ils sont oui, mais combien tu as de pierres, de sport, machin, et d'évolution? J'ai 22 000 cartes comme ça, et j'en ai 25 000 comme ça. Et j'en ai 5 000. Et j'en ai 190. Ça, je le fais plus, je le fais quasiment plus. Et juste, oui, voilà. Si vous voulez vous être pété de thunes, vous faites dans une guilde, vous faites une rente, et voilà. Alors je suis à 285 heures. J'ai 1 252 000 et compagnie. C'est pas dégueulasse, hein, j'ai juste à faire ça. Là j'ai 1 250 000 qui viennent de passer dans le groupe. Voilà. Du coup je vais faire ça, je vais en rembourser un, et puis voilà. Tout simplement. Donc, sur ce, je vous laisse. Gros bisous. Passez une bonne soirée, bonne journée, un bon souvenir comme vous voulez, quand vous voulez. Et puis je vous dis. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous envoie l'outro. Salut, salut! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux. Salut!